nous sommes avec Epic Pixel Battle, créé à la base par Lunatic, avec Shindai qui fait l'instrumentalisation et Sacha qui fait quelques voix. Bah donc c'est parti, je vais vous poser les premières questions. Déjà, quelles études avez-vous réalisées? Bah du coup, moi, je me suis arrêté au bac plus 2 en licence mathématiques informatiques, donc j'ai le bac S, mais j'ai pas été énormément plus loin, tout simplement parce que bah au bout d'un moment, j'ai fini par me désintéresser et j'ai commencé à avoir envie de faire autre chose, avoir envie de créer justement, de faire mes créations, et j'ai un peu arrêté, j'ai travaillé à la place pour gagner un peu d'argent pour vivre, et voilà. Je pense qu'on a tous des parcours un peu similaires. Enfin, moi, j'ai fait aussi 2 ans en japonais. C'était japonais et commerce international. Et pareil, j'ai arrêté et j'ai travaillé aussi de mon côté. Et après, je les ai rejoints eux. Et voilà. Petite subtilité, c'est que nous deux, on a le diplôme. Moi, je suis un champion, attention. Moi, je suis un champion parce que j'ai un bac plus 2, un DUT en mécanique et productique industrielle. Ce qui est très utile. Le truc, c'est que je pense que comme Lunatic, on a des diplômes qui sont un peu maintenant, ils perdent de leur substance, parce que du coup, on n'a pas enchaîné directement avec des diplômes plus élevés, on n'a pas enchaîné avec des expériences professionnelles, parce qu'on voulait justement, aujourd'hui, si tu veux, c'est palpable de vivre de nos réalisations. C'est juste qu'il faut s'accrocher, que c'est pas évident, que c'est de toute façon une vie précaire de base, mais c'est un choix de vie et nous, on voulait se lancer là-dedans parce que c'était un peu notre truc, quoi. Votre parcours avant justement d'en arriver aux EPB sur YouTube? Alors mon parcours, c'est très compliqué parce que moi j'ai un parcours très spécial, si tu veux. J'ai commencé en faisant ce qu'on appelle des YouTube poops, donc c'est des vidéos vraiment très très bizarres. C'était il y a 5 ans, j'ai commencé à faire des vidéos, c'était n'importe quoi, c'est juste pour déconner. Et puis petit à petit j'ai eu envie de faire un peu plus, j'ai commencé ensuite à faire du let's play on poop en m'inspirant de ça. J'ai commencé à faire d'autres choses et puis un jour je me suis lancé, j'ai commencé à assumer qui j'étais, à assumer ma voix et avoir envie de vraiment de gros projets. Il y avait les Epic Rap Battle of History, on en parlait tout à l'heure, ça m'a vraiment inspiré. Enfin, à force de les regarder, de les écouter, je me suis dit mais j'ai envie de voir ça en France, j'ai envie de faire ça. Et je me suis vraiment lancé dedans. Alors au début c'était à titre vraiment personnel, private joke sur ma chaîne personnelle avec des Epic Pokémon Battle où c'était des personnages de mes aventures sur mon jeu vidéo qui s'affrontaient. Et puis quand j'ai rejoint Voxmaker, je me suis dit bah il est temps d'arrêter d'être dans ma bulle, dans ma sphère, s'ouvrir aux gens et faire quelque chose de plus connu, de plus intéressant pour tout le monde, que tout le monde peut comprendre. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. Et donc vous avez un groupe qui s'appelle Starry Sky. Sky, voilà, je voulais pas cafouiller le nom. Comme Alice. Starry Sky, c'est la contraction avec Alice, donc la première chanteuse virtuelle francophone. Du coup, par jeu de mots, ça fait Starry Sky. Voilà. Le groupe, c'est Starry Sky avec Alice. Avec deux L. Depuis combien de temps le groupe existe? Alors le groupe existe depuis longtemps, mais en fait, les 2-3 premières années, c'était vraiment un délire de lycéens qui voulaient passer leur mercredi après-midi à faire de la musique. Donc on n'a pas plus, on a changé énormément de membres, c'était pas un projet très sérieux. Donc ça c'était en 2009, on était au lycée, on était en seconde. Ça fait longtemps, hein, ça fait 5 ans. Mais ça fait 2 ans où on s'est vraiment dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de plus de professionnalisant limite en fait. Sacha est arrivé il y a 1 an parce qu'on a dû se séparer de notre ancienne vocaliste. On a trouvé Sacha et là aujourd'hui ça part. Enfin, on a de la bonne croissance. Non, la prochaine question est un peu plus centrée sur Lunatic. Justement, qu'est-ce qui t'intéressait spécialement dans les YouTube poops? C'est juste le côté délire ou c'est... Préparez-vous à chialer, non? Parce que en fait les YouTube poops, c'est simple, j'ai découvert ça il y a 6-7 ans, un truc comme ça, et ça m'a vraiment fait beaucoup rire. C'était vraiment délirant, c'était un truc qu'on voyait presque nulle part, et du coup je me suis tapé des barres là-dessus et j'ai commencé à en faire. Mais pourquoi j'en ai fait, en fait, c'est parce que il y a 5-6 ans je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. En fait, mon cursus scolaire, si tu veux, je l'ai fait parce que je savais pas quoi faire. J'ai pris ce qui me venait, et en fait il y a 5-6 ans moi j'allais pas bien, en fait j'étais en mode je sais pas ce que je vais faire de ma vie, j'en peux plus, puis même socialement c'était pas ouf, et du coup ça me permettait d'être dans une bulle, de faire mes trucs, de délirer vraiment complètement. Et au bout de 2-3 ans, après avoir beaucoup déliré, je me suis dit il y a peut-être temps de faire quelque chose de tout ça, et voilà. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans la YouTube poop, en fait. C'est intéressant ce que Lunatic dit, parce qu'en fait pour la plupart des gens qui sont sur internet et notamment sur YouTube, en fait on a souvent ce cas de vie qui est qu'en fait
professionnellement, socialement, on n'est pas très, on est des gens pas très adaptés. C'est pour ça qu'on se renferme sur des médias comme Internet où on a l'impression d'être libre, de pouvoir dire ce qu'on veut et de trouver des gens qui nous écouteront. Je pense que c'est un profil qu'on retrouve chez tous les vidéastes qui font des vidéos sur YouTube. Pourquoi avoir intégré Voxmaker ? Alors moi j'ai intégré, ouais, puisque t'as mal au bras. Alors moi j'ai intégré Voxmaker il y a 3 ans. Et demi. Wow, c'est vieux, putain. Oh, ça me rajeunit pas. Mais je foutais rien. Ouais. Alors Voxmakers, en fait, je présente vite fait. Voxmakers, c'est un collectif de vidéastes. C'est en gros tout ce qu'on fait sur YouTube, nos vidéos, nos conneries comme ça. On les fait, mais à plusieurs. Voilà, parce qu'à plusieurs, on peut aller plus loin, on peut aller plus vite. C'est beaucoup mieux. Enfin, c'est toujours plus intéressant que d'être tout seul dans son coin sur Internet. Moi, je l'avais rejoint il y a 3 ans et demi. J'avais postulé, tout simplement. J'avais vu la chaîne Voxmaker. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'aime bien l'esprit de collectif, tout ça. J'ai envie d'essayer. Je leur ai écrit un mail. Je leur ai dit, voilà, moi, je fais ça. Je fais de la musique. Ils m'ont dit d'accord. Et pendant très longtemps, j'ai rien fait sur la chaîne parce que j'étais juste là pour faire des musiques de temps en temps pour les autres vidéastes. Et un jour, Thomas Sirix, donc le patron de la chaîne Voxmakers, m'a dit, je pense que tu peux faire une émission rien qu'à toi, ça s'appellerait Tire Reflections et tu ferais des défis. Et donc j'ai fait ça, ça a plutôt bien marché, je m'y suis bien plu, et c'est pour ça que j'ai continué. Après, quand Lunatic est arrivé, il faisait des let's play, il s'est dit, voilà, Voxmaker, c'est l'occasion, je suppose, de tester ce projet d'Epic Pixel Battle. Et donc il a fait le premier tout seul, et il s'est dit, je vais aller plus loin, j'aimerais bien avoir un duo comme Nice Peter et Epic Lloyd qui font les Epic Rap Battle of History. Et c'est pour ça qu'il m'a proposé de rejoindre. Si tu veux, je t'ai pas proposé pour faire un duo, je t'ai proposé juste parce que j'avais besoin de toi, et puis parce que voilà, c'est ça. Non mais vraiment, professionnellement, je suis limite amoureux de lui, hein, parce que j'aime vraiment énormément ce qu'il fait. Lorsqu'il m'a aidé, en fait, c'est simple. À la base, j'avais besoin d'aide pour le PB numéro 2, parce que j'arrivais vraiment pas à faire moi-même l'instru, parce que je suis pas un très bon musicien. Je sais faire des trucs de base, mais pas des trucs de fou. Et il m'a aidé, et là, je me suis dit, mais c'est juste génial ce qu'il est capable de faire. Il faut vraiment qu'on continue à faire ça tous les deux. Je lui ai proposé, et tout de suite, bah, on a même pas discuté 5 minutes, quoi. On s'est dit, bah, c'est parti. C'est génial, on aimait ça tous les deux. On s'est dit, bah, allez, let's go, quoi. Parce que du coup, voilà, moi, pourquoi j'ai rejoint Voxmaker, bah, en fait, c'est eux qui m'ont demandé. Ils avaient une période où ils allaient chercher les gens pour intégrer des nouvelles chaînes, et ils ont pensé à moi pour la filière jeux vidéo, parce que je faisais du let's play and poop, justement. Et ensuite, bah, les filières ont pas trop bien marché, du coup ceux qui sont restés, ils ont intégré Voxmaker tout court. Je me suis dit, bah, c'est le moment de lancer les Epic Pixel Battle, et je m'y suis mis, et voilà, bah, voilà où on en est, quoi. Votre youtubeur préféré? 1, 2, 3 Lunatic. Non, honnêtement, mon youtubeur préféré, c'est difficile. Là, actuellement, en international, je dirais toujours les Epic Rap Battle of History, même si voilà, il faudrait que je change un jour. Mais et sinon, en français, il y en a plein que j'aime bien, mais le truc, c'est que je peux pas en choisir un. Je peux pas en choisir un parce que j'aime plein de contenus différents, et j'aime pas dire lui, je le préfère. Parce que ça, je trouve que ça se fait pas, tout simplement. C'est comme si tu disais, je préfère mon charcutier à mon boulanger. Ils font pas la même chose. Ouais, mais en même temps, si tu vas que chez ton charcutier, tu peux pas te faire de sandwich avec la viande et le pain, tu vois. Donc il faut aimer les deux. On va beaucoup trop loin. Voilà. Alors moi j'en ai un, mais je sais pas prononcer son pseudo. C'est Ryan Nigahiga, un truc comme ça. Ah, c'est Nigahiga. Nigahiga. C'est un plus gros youtubeur. Ouais, mais moi il me fait beaucoup rire. Américain. Ouais. Mais j'aime bien parce que c'est des vidéos qui partent d'un concept simple, tu vois. Il arrive à en faire un truc super drôle, mais c'est pas parce que c'est drôle que c'est pas compliqué, tu vois. Il s'investit dedans. Il y a pas un sens profond. Il y a des sens, et c'est bien réalisé, tu vois, c'est bien fait. Et voilà. Il y a des moyens en même temps. Il y a des moyens, mais il a commencé sans moyens, hein, donc non, mais j'aime bien, voilà. Alors moi, honnêtement, même si je suis sur YouTube, je regarde pas énormément de youtubeurs, en fait. Que ces vidéos. Moi, je suis un putain d'égocentrique. Voilà. Alors étonnamment, moi je citerai des Français parce que j'aime beaucoup ce que fait le joueur du grenier en général. Voilà, étonnamment, pour l'exemple, Antoine, Mathieu, ces gens-là, c'est des gens que j'apprécie en tant que personne parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Après, j'aime bien leurs travaux, mais par exemple, le joueur du grenier que je ne connais pas personnellement, enfin je n'ai absolument aucune idée de si le mec est sympa ou pas, enfin si les mecs, parce qu'ils sont plusieurs, sont sympas ou pas, mais au final, leurs travaux, j'ai beau les regarder 2 ou 3 fois, j'apprécie toujours, c'est subjectif, mais c'est comme ça. En ce moment, j'aime aussi bien Squeezie, mais ça c'est juste pour le,
le personnage. Le personnage de petit gars excité comme ça, je trouve bien. Et puis pour moi, enfin, je trouve qu'il a, il a ce côté un peu modèle dans le sens où c'est comme, enfin, il a quand même que 19 ans, il est déjà au sommet et il s'est fait tout seul. Et je trouve ça, enfin, moi, ça me vend du rêve un peu quand même. J'aimerais bien être à sa place. Qu'est-ce que vous pensez de la télé et des médias en général ? Bah, la télévision, elle a du mal. La télévision, elle a beaucoup de mal parce que avant, on avait que, fallait quoi, on avait 6-8 chaînes, un truc comme ça. Du coup, on aimait bien ça parce qu'on n'avait pas trop le choix. Là, aujourd'hui, maintenant, Internet propose tout ce qu'on veut. Tu cherches quelque chose, Internet, là, c'est obligé. Et du coup, la télé, elle a un peu de mal. Mais après, j'aime toujours quand même regarder de temps en temps quelques médias. L'importance de la télé, si tu veux, pour moi, c'est le fait que tu mets une chaîne, t'as pas à choisir. Tu te poses, tu réfléchis plus, et juste tu passes ton temps devant. Il faut avoir du temps à perdre, il faut aimer perdre son temps. Mais si t'aimes perdre ton temps, si t'as juste envie de te détendre, bah ça fait du bien. Moi, par exemple, je regarde très régulièrement Touche pas à mon poste, parce que c'est une émission, les gars, ils délirent. Moi, je suis là devant ma télé pendant 2 heures la journée, je me tape des barres, et voilà. Après, il y a des trucs très bien à la télé, quand même. Il y a des putains de documentaires. Il y a des chaînes comme France 4, comme Arte, comme voilà, qui essayent de faire des trucs très intelligents, des trucs très recherchés pour des gens qui recherchent de la qualité, etc. Ce qu'on a plus de mal à trouver sur Internet, des fois, hein, il faut le dire. Et voilà, la télé a encore son importance. C'est juste qu'aujourd'hui, quand on parle de télé, on pense souvent à TF1, M6, tout ça, qui font des émissions un peu putassières, des émissions. Aujourd'hui, c'est vraiment... on essaye de faire du clic au max, ils essayent de faire du clic, justement, parce que maintenant, ils vont sur Internet, tout ça, ils ont le Web TV, quoi, presque. Et voilà. Mais après, on retrouve aussi tous ces aspects-là sur Internet. Maintenant, il y a même une tentative d'infiltration de la télé sur YouTube, à un moment, des grosses boîtes de télé qui ont commencé à ouvrir des chaînes pour faire du contenu, bah, justement un peu à la télévisuelle, et bah ils se sont fait pourrir, hein. ça a duré un an et Internet les a pas laissés vivre, les pauvres. Ils ont pas aimé parce qu'il y a une espèce de guéguerre sur Internet, genre la télé c'est pas bien, mais bon la télé c'est quand même bien, et puis bon si on enlève la télé à nos vieux, ils vont pleurer, hein. Les pauvres, quoi. Bah, moi je fais un peu partie des gens, la télé c'est pas bien, je regarde vraiment pas souvent la télé, et quand je regarde, je m'en sers comme exutoire, en fait. C'est, si j'ai envie de bitcher sur les gens, de critiquer, je vais allumer la télé et mettre le premier truc un peu débile, et c'est tout, voilà. Je regarde ça et je m'énerve devant, et puis ça me fait du bien, et c'est tout. Moi, je regarde pas la télé du tout, mais bizarrement, je trouve que c'est un milieu qui m'attire plutôt, dans le sens où c'est... Moi, ce que j'apprécie dans le milieu de la télévision, c'est le fait qu'on soit dans un cadre, dans une structure professionnelle. Alors que sur Internet, même si aujourd'hui, il y en a certains qui ont suffisamment de revenus pour en vivre, etc., etc., on est quand même pas dans une démarche très structurée. Pour certains, si, maintenant il y en a des très gros, mais ça reste plutôt ponctuel. C'est pas du tout une généralité. Comment dire ? Disons que la télévision c'est bien dans le sens où c'est trié, en fait. C'est-à-dire que t'as d'autres gens qui font le tri. Ça veut pas dire que forcément il y a des trucs plus ou moins bien, mais sur Internet, enfin, faut dire ce qu'il en est. Sur Internet, il y a beaucoup de choses, il y a tout ce que tu veux, mais il y a surtout beaucoup de merde. Voilà. Enfin, en général, il y a tout et n'importe quoi, et du coup il y a beaucoup de n'importe quoi. Et c'est ça qui est dommage. Mais bon. Mais ça nous a permis. C'est cette liberté qui nous a permis de nous lancer. Ça fait partie de. Enfin, c'est les désavantages que ça propose, c'est-à-dire que certes on est libre, du coup il y en a plein qui vont en profiter pour faire des choses qui sont pas forcément très catholiques, très bienveillantes, quoi. Voilà. Alors que dans une structure professionnelle, certes tout le monde ne peut pas y rentrer, il y a un tri, il y a une structure, c'est peut-être difficile de rentrer dans le milieu de la télévision, mais au moins on est dans quelque chose de cadré. Voilà. Merci beaucoup.